C'est le plus grand musée au monde. Chaque année, près de 10 millions de personnes viennent le visiter et admirer ses chefs-d'œuvre, dont la Joconde ou la Vénus de Milo. Le Louvre a rouvert ses portes après une très longue parenthèse, plus de 3 mois sans visiteurs. Édition spéciale de À l'affiche aujourd'hui. Bienvenue à tous. Et bonjour Clovis Casali, vous êtes devant la célèbre pyramide. Bonjour. Le Louvre a rouvert ce lundi matin à 9h. Quelle est l'affluence? Est-ce qu'il y a du monde? Il y a 7400 personnes qui auront le droit de visiter le Louvre en ce premier jour. Les gens attendent ici quelques minutes avant de rentrer. Les premiers visiteurs sont arrivés à 9h du matin sous les applaudissements des employés du Louvre, particulièrement heureux. Je peux vous dire que c'est sympa quand même de voir le parvis du Louvre animé, vivant. À côté de moi, il y a des gens en train de déjeuner sur des bancs. Il y a bien sûr des touristes. Il faut savoir aussi que d'habitude, c'est plus de 3/4 des visiteurs qui viennent de l'étranger, en particulier de Chine et des États-Unis. Mais coronavirus oblige, eh bien, pas d'Américains, pas de Chinois. Beaucoup de Français dans les files derrière moi, mais aussi des Européens. Tous très heureux de pouvoir venir visiter le Louvre dans des conditions idéales. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions. We're not French, we're Swedish, but we live in Belgium. So we decided to come here because we felt that Corona is starting to calm down. Il fallait mieux réserver en fait pour être sûr de pouvoir rentrer aujourd'hui, quoi, voilà. On est venu de Brest spécialement pour la réouverture du Louvre et puis hier on a visité aussi la Cité de la Science, c'était super intéressant. On n'a jamais vu la Joconde et là on est vraiment content de la voir. Yeah, Mona Lisa first of all, and they told us already that it's less people than before Corona, so maybe it's not going to be busy like that. Ça, on peut un petit peu reprendre un petit peu le contact avec tout ce qui est culture, musée, etc. Voilà, Clovis, on entend l'enthousiasme de ces nouveaux visiteurs. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? À quoi ressemble le Louvre à l'ère du coronavirus et comment se passent les visites? Eh bien, Louise, un mot d'ordre, sécurité avec distanciation sociale obligatoire. Il y a un parcours fléché, un point d'entrée, un point de sortie pour chaque salle pour éviter trop d'interactions entre les visiteurs. Et eh bien, les plus petites des salles restent fermées. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même plus de 70% des salles du Louvre qui sont ouvertes au public et tous les grands chefs-d'œuvre, notamment la Joconde. Et il y a du gel hydroalcoolique disponible pour tous. C'est donc le jour de la réouverture. Mais il y a quelques jours, eh bien, un groupe de visiteurs avait eu la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur du Louvre, les premiers depuis le début du confinement. Un groupe de journalistes, on en faisait partie avec Juliette Montilly. Regardez tout de suite notre reportage. Image rare au Louvre. La Joconde, seule, sans la foule habituelle faisant la queue pour l'apercevoir. Un peu moins de 10 millions de visiteurs l'année dernière et depuis presque 4 mois, personne. Le musée rouvre ses portes, mais doit fortement limiter le nombre d'entrées. C'est le bon moment pour redécouvrir le musée. C'est une période unique où le public aura de la place. On est à peu près à 30% du volume de visiteurs qu'on a habituellement. Donc on a pour l'instant fortement réduit. Et voilà, il est évident qu'on ouvre dans une configuration toute particulière. Pendant le confinement, les chefs-d'œuvre du Louvre n'ont pas bougé. Des travaux de restauration ont eu lieu et le personnel a veillé sur ce palais vieux de 8 siècles. Les visites virtuelles ont été un énorme succès, avec des connexions au site internet multipliées par 10. Le public peut enfin voir les œuvres en vrai, avec les précautions d'usage comme le masque obligatoire à partir de 11 ans. Il s'agit de rassurer, mais aussi d'offrir quelque chose, une expérience, une vraie expérience. Sinon, vous comme moi, on ne revient pas dans les musées. Nous sommes en train de préparer toutes les salles, en changeant tous les panneaux, pour permettre justement, pour éviter que les gens se croisent. Et c'est parfaitement possible. C'est difficile dans les petites salles, donc que nous garderons fermées. Mais je rappelle que le Louvre, c'est d'immenses salles de peinture, c'est la grande galerie qui porte bien son nom. Il suffit de mettre une entrée en entrée et une entrée en sortie. Voilà. Bon, donc voilà, le Louvre est prêt à accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. Rendre le Louvre moins intimidant et encourager les échanges avec le public. Le musée veut tisser de nouveaux liens avec les Français. À cause de la pandémie de Covid-19, personne ne sait quand les touristes étrangers reviendront en nombre. Ils représentent d'habitude plus des 3/4 des visiteurs.
Alors si le Louvre a rouvert ses portes ce lundi, il devrait perdre jusqu'à 80% de ses visiteurs, composés habituellement en grande partie d'étrangers. Le musée, qui a déjà perdu plus de 40 millions d'euros avec la crise sanitaire, a-t-il les moyens de dépasser ce passage à vide? Nous retrouvons Dominique de Fonréau pour répondre à ces questions. Bonjour. Bonjour. Alors vous, le Louvre vient de vivre une période hors du commun, 3 mois de couloirs vides, avec personne pour regarder ses chefs-d'œuvre. Comment est-ce que vous, vous avez vécu ce moment un peu particulier ? Ce moment un peu particulier, en fait, ça a été un moment aussi assez actif. Hein, actif d'abord dans la réflexion, une fois la sidération passée, mais après aussi actif très vite pour à la fois préparer la réouverture et puis aussi pour être présent pendant le confinement. Et on a été très actifs, notamment sur le site internet et les réseaux sociaux du Louvre, tout le temps du confinement. Alors cette réouverture s'est faite sans les foules habituelles de visiteurs américains, mais aussi d'Asie, de Chine, du Japon, de Corée. À quoi va ressembler un été au Louvre sans les touristes ? Un été au Louvre sans les touristes, ça va être un formidable moment pour tous ceux qui peuvent venir nous voir, les Français, mais aussi les Européens proches, pour venir profiter du Louvre. Là, j'étais dans les salles ce matin. Et c'est un véritable bonheur, en fait. On peut avancer à son rythme, on peut s'arrêter. Il y a quand même 75% des salles qui sont ouvertes, c'est-à-dire la très grande majorité des salles qui sont ouvertes. Et c'est un vrai moment de bonheur, un vrai moment de rencontre apaisée, sereine avec les œuvres d'art. Oui, parce qu'on le rappelle, on va passer de 40 000 visiteurs à 10 000 par jour. Tout le musée ne rouvre pas, c'est important de le savoir. 70% de ces espaces sont rouverts pour l'instant. Comment est-ce que vous avez choisi les œuvres ou collections qui seront à nouveau accessibles ? Alors en fait, c'est quand même aussi beaucoup un enjeu pratique, puisqu'il fallait que la circulation soit fluide hein, du point de vue de l'épidémie. Donc c'est vrai que c'est cet enjeu-là qui a compté. Mais c'était aussi la manière de déterminer des parcours et des parcours qui faisaient sens. Par exemple, je viens dans les salles de refaire le parcours de tout le Louvre médiéval qui permet ensuite de revenir d'un côté vers la pyramide, de l'autre côté vers les antiquités égyptiennes. Donc il y avait à la fois, il y a ces deux éléments, des éléments pratiques, on est bien obligé de les prendre en considération, mais aussi des éléments de déambulation, de promenade, de découverte, voire même de rêverie au sein du Louvre qui ont guidé notre pensée. Alors une exposition à voir notamment, ces figures d'artistes interrompues à cause du confinement, elle reprend à l'occasion de la réouverture. La petite galerie propose notamment d'explorer la manière dont le créateur est passé du statut d'artisan, la plupart du temps anonyme à l'époque antique, à celui d'artiste célébré à partir de la Renaissance. On regarde quelques images. Dominique de Fonréau, le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a annoncé qu'avec la crise sanitaire, le Louvre accusait une perte de 40 millions d'euros de revenus. Comment est-ce que le musée peut encaisser ce coup dur et ce passage à vide ? Le musée peut encaisser ce coup dur, d'abord forcément, évidemment, comme tout service public. Hein, donc, ce n'est pas à moi de répondre, ce sera bien sûr aussi à l'État. Mais je dois dire qu'avant tout, le musée n'est pas un lieu de profit, hein, il faut l'avoir à l'esprit, ni même un lieu de rentabilité. D'une certaine manière, ça nous permet aussi de revenir sur nos missions, hein, qui sont ces missions formidables de mettre à disposition les collections insignes nationales. Et vous l'avez fait également avec succès pendant le confinement, en adaptant votre offre, notamment des visites virtuelles ou des vidéos pour les enfants. Quelles leçons est-ce que vous tirez de cette expérience ? On a inventé une programmation un peu comme vous, vous préparez vos conférences de rédaction, en fait, avec un vrai désir d'éditorialisation et de mise en perspective. On a d'abord essayé de recenser tous les moyens qu'on avait et toutes les ressources qu'on avait. On en avait beaucoup. Et puis, on a à chaque fois donné des rendez-vous avec tous les mercredis un changement d'une
certaine manière, comme un hebdomadaire, comme un magazine hebdomadaire, et avec aussi la création de tout un ensemble dédié aux enfants et aux familles qu'on a appelé Petit Louvre, avec des visites d'animation, avec des podcasts, avec des jeux, avec des BD. Et tout ça a très, très, très bien fonctionné, puisqu'on a eu pendant le confinement 10 millions de visiteurs sur le site internet, dont 7 millions de nouveaux visiteurs. Et ce qui est formidable, c'est que la très grande majorité d'entre eux ont dit « Mais vivement que je revienne au Louvre, parce que vous m'avez donné encore plus envie du Louvre. » Et ça, c'était pour nous un point très fort, évidemment, à ressentir. Et pour finir, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Vous pensez que le Louvre va retrouver ses 10 millions de visiteurs? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas devin, donc ça, je peux difficilement répondre à une question comme cela. Évidemment, j'espère que le plus possible de visiteurs reviendront. Mais ce que je crois, c'est que dès aujourd'hui, déjà, il y a un grand bonheur, un grand plaisir des visiteurs à retrouver le Louvre. J'étais dans les salles, je les ai vus, je leur ai parlé, et on voit que des sourires, on voit que des échanges. On a mis en place aussi des visites mini-découvertes au sein des galeries qui permettent d'avoir un échange entre médiateurs et visiteurs, et je n'ai rencontré que des visiteurs heureux. Alors voilà, je vous attends comme visiteur heureux au sein du Louvre. Et voilà, le message est passé, vous êtes attendu au Louvre, c'est le moment. Merci beaucoup Dominique Defond, Réau, vous êtes directrice de la médiation et de la programmation culturelle. Je remercie aussi notre équipe sur place, Clovis Casali et Sylvain Rousseau. Merci également à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images de Une nuit au Louvre, une visite guidée, filmée spécialement pour le cinéma de l'exposition Léonard de Vinci qui réunissait quelques 150 œuvres du maître et avait attiré plus d'1 million de visiteurs, un record. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.